Viens, on va aller derrière le camion là-bas. Viens, on va se mettre là, ça semble pas mal. Allez. À qui tu parles? Bon, il va falloir le coucher. Je prends l'arrière, mets-toi devant, on va le coucher sur le flanc droit. Le flanc droit. Ma priorité, c'est la sécurité. On doit maintenir de force le veau au sol pour qu'il ne blesse personne, ni lui, ni nous. Je vais commencer par faire un prélèvement avec une seringue pour voir ce qu'on a à l'intérieur. Apparemment, la grosseur a déjà diminué. Elle est plus petite qu'avant. Vous aviez déjà vu cette grosseur? Elle était plus grosse? Oui. D'accord. On va quand même l'ouvrir et drainer l'intérieur. Est-ce que les abcès se résorbent le plus souvent tout seuls? Est-ce qu'il faut systématiquement les traiter? Parfois, ils s'ouvrent spontanément et se vident, ce qui est bien. Mais quand il ne se vide pas, il y a un risque. L'animal peut développer une septicémie, c'est-à-dire que les bactéries passent dans le flux sanguin et on a une infection généralisée. Comment ça va? Je parle au veau, hein, pas à toi. Le veau va bien. Bien, tant mieux. C'est la première fois que Nicole est sur le terrain pour une intervention. Elle a maintenu un veau au sol. J'ai le cœur qui s'emballe. Ma petite fille chérie est là avec son papa. Qu'est-ce que tu injectes dans l'abcès? Je lui injecte un désinfectant iodé. Ça m'a l'air propre. Bon, comment il s'appelle? Il faut lui trouver un nom. Dolly, ou numéro 18. Numéro 18. Je regarde l'autre côté. Prête? Tu fais ça comme une pro. J'ai pris ma seringue pour faire un nouveau prélèvement. Ah oui. Ah oui, regardez. C'est pas comme de l'autre côté. Et voilà, une substance blanche dans la seringue. Ce qui veut dire qu'on a un abcès encore purulent. Voilà, c'est un peu foncé, non? Ces jeunes veulent devenir vétérinaires. Mais quand ils ont vu ce truc blanc sortir de l'abcès, ils étaient dégoûtés. Mais je pense que c'est pareil pour tout le monde. La première fois qu'on voit ça, on réagit tous de la même façon. On essaie de presser pour faire sortir tout le pus. Une fois qu'il ne reste plus que du tissu sain, la plaie va cicatriser. Tu es content qu'on soit venu te voir aujourd'hui? Ses yeux sont ouverts. Il te fait des clins d'œil, c'est pour ça. Coucou mon beau. Bon,